Voilà 5 ans, j'ai été élu député des Français d'Allemagne, d'Europe centrale et des Balkans. C'est un mandat passionnant que j'ai voulu exercer au plus près de vos vies, auprès de chacune et chacun d'entre vous. À l'étranger, il n'y a pas de petits sujets. Je les ai tous traités. Français à l'étranger, Français à part entière et, ajouterais-je, Européen à part entière aussi. Voilà ce qui a conduit chaque jour mon action de député. J'ai agi comme un défenseur des droits, de vos droits, luttant contre les injustices, les discriminations et les oublis qui affectent tant de destins. L'égalité et la solidarité, chères à mon engagement d'homme de gauche, j'ai voulu les faire vivre par ces combats au long cours, pour vous et avec vous, sans jamais rien lâcher. Et les résultats sont venus. J'ai été un député en mouvement. Cologne et Paris ont été mes bases, les 16 pays de la circonscription, ma destination. À l'Assemblée nationale, j'ai embrassé les causes qui me tiennent à cœur. Sauver notre planète, protéger nos libertés. J'ai été le rapporteur du projet de loi de ratification de l'accord de Paris sur le climat. Un texte fondateur pour l'avenir de la Terre et pour les générations futures. C'est un autre monde que nous devons construire. Un monde où l'économie et l'écologie se rencontrent. Un monde juste et durable. Un monde d'énergie renouvelable. Nos libertés et nos droits, je les ai protégés en votant avec fierté le mariage pour tous, en m'opposant aussi à la loi renseignement et à la déchéance de nationalité pour les binationaux. Que nous ayons une ou plusieurs nationalités, nous sommes tous passionnément français. Mes chers compatriotes, au mois de juin auront lieu les élections législatives. Je suis candidat à un nouveau mandat de député. Pour vous représenter, pour vous défendre, pour faire avancer nos attentes de Français à l'étranger avec à cœur cette belle passion de l'Europe qui nous unit. Plus que jamais, vous pourrez compter sur moi pour agir et pour gagner ensemble.